Salut, ici Sherbuck et nous sommes en train de jouer à Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, le jeu qui... apparemment, dans lequel j'oublie de partir l'enregistrement. J'ai joué une excellente game avec Vala tantôt, qui est présente à l'écran ici. Superbe game, l'équipe a joué ensemble. Je jouais bien mon rôle, puis c'était super le fun. Mais OBS n'était pas parti. Fait que là, je fais une autre game. On va espérer que ça se passe aussi bien. Donc, un petit résumé là, des habilités de Vala. Donc, son premier habilité, Hungering Arrow, ça tire une flèche sur une ligne droite. Si elle atteint une cible, ça va répéter l'attaque deux autres fois pour environ la moitié des dégâts. Multishot, ça fait juste des dégâts sur un cône en avant. Il n'y a vraiment rien de compliqué avec ça. Vault, c'est un dash dans une direction de mon choix. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Ça fait aussi bon, que la prochaine attaque de la base va faire un petit peu plus de dégâts. Et son trait Hatred. Sa gimmick ici, ni plus moins, c'est qu'à chaque attaque de base qu'elle fait, elle gagne un stack de Hatred. Et jusqu'à 10, chaque stack va augmenter ses dégâts de ses attaques de base de 8% et sa vitesse de déplacement de 1%. Ça dure 6 secondes. Au bout de 6 secondes, peu importe le nombre de stacks que tu as, ils disparaissent tous. Donc l'intérêt, c'est essayer de garder ça actif autant que possible. C'est un heroic, les deux sont pas si pires. Ils font bien la job dépendamment de la situation. Qu'est-ce que tu veux faire? Strafe, fait juste attaquer sur un grand cercle autour d'elle, c'est bon pour faire peur à du monde. Elle peut se déplacer et utiliser Vault pendant ce temps-là. Donc ça permet de juste comme repousser une équipe qui est basse en vie ou pour commencer un combat puis juste étaler des dégâts un peu partout pour, disons, décourager l'ennemi à approcher. Rain of Vengeance, sur un petit rectangle en avant d'elle, ça fait pleuvoir des esprits qui vont stunner les ennemis. C'est correct, ça dépend si t'as besoin d'interrompre quelque chose, c'est ça que tu prends. Donc, comme je disais, les deux sont quand même pas si mal, sont de bons choix. Il y en a pas un qui est clairement supérieur à l'autre. Des fois, c'est juste une question de préférence. Moi, je vais essayer de jouer plus le Hungering Arrow, c'est son build que je préfère le plus. C'est comme un mix entre un build attaque de base plus Hungering Arrow, qui devrait augmenter les dégâts quand même de manière assez substantielle, puis avec le temps, peut-être nous donner un peu de sustain. Ça va dépendre de la direction qu'on va aller pendant le match. Donc, ça, parlant de match, let's go. Ah, bienvenue à Cursed Hollow. Nos coéquipiers, on a Fastad, Chromie, Rainer et Valyra. Ce qui va être un petit peu problématique parce que ça veut dire qu'on n'a pas de frontline à proprement dire. Valyra, c'est pas ce qui compte pour un personnage mêlé dans notre équipe, mais ça va pas faire. Là, surtout avec personne pour me protéger contre Butcher, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Donc, Hot Pursuit, quand on va être à 10 stacks de Hatred, on va gagner de la mana par seconde, ainsi que de la vitesse de déplacement. Je suis en train de me promener tout croche. Yo, fast that. Ceci dit, on a quand même pas mal de portée avec Chromie qui va servir d'artillerie. On en a deux qui sont potentiellement capables de soloer leur lane, fait qu'on va essayer de profiter de ce fait-là, je pense. Jusque-là, c'est pas si pire, on arrive à repousser. Je dis ça là, mais... tassez juste à temps. Et Butcher a réussi à se faire descendre. Bon, ben, on va juste continuer à se déplacer ici, puis... Ok, non, non. Non, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. De toute façon, c'était même pas prêt. Shit. Ouh, ok, c'était pas mal, mais hey, ok, au moins on descend l'autre équipe plus que les autres. On descend, on trade bien. Falstad qui est décidé d'aller mid. Je pense que ça a été mieux, mais je pense que je vais y aller moi-même.
Ça va nous prendre quelqu'un là pour s'assurer qu'on garde notre avance en expérience. Ça là, Jim, tout seul, se débrouille pas trop mal. Le combat, ça va être pas mal au centre. Si je peux commencer à ramasser de l'expérience ici, on devrait avoir une avance assez considérable sur nos ennemis. Donc on a déjà deux niveaux d'avance, c'est pas si pire. On prend une quest de Hungering Arrow pour lui faire faire plus de dégâts avec le temps. On va... Wow, ça c'était mauvais. J'ai appuyé sur le mauvais bouton gang. Je voulais utiliser Vault pour m'en aller. Fait que c'était pas nécessaire parce que des fois on veut juste avoir l'air cool. Surtout quand c'est pas le temps d'avoir l'air cool. Oh, stars de là. Je vais juste essayer de descendre la tour. Je garde mes habiletés pour plus tard. Je vais aider l'équipe à aller chercher le tribute. Très important de traverser l'objectif. Ah, je la rattraperai pas. Tant pis. Il y en a déjà un moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un au tribute même en ce moment? Non, Chromie passe direct en avant. Sans me s'en foutre. Falstad s'est fait ramasser. On a besoin de quelqu'un pour ramasser ça. Je pense que l'équipe veut juste pas jouer l'objectif. Est-ce que Jim va l'empêcher? Voilà. Come on, Jaina. Chaîne-toi pas. Ah, si. Ah non. Ça. Faut pas que je sois greedy. Moi, je suppose que si rien d'autre, au moins, je l'ai distrait assez pour. Pour que mon équipe puisse ramasser le tribut. Arrête de... Ok. Là, c'est beau, tu peux t'en aller. Là. C'est fini ça. Donc, je vais retourner aller chercher l'expérience en bas, signaler ça à mon équipe. Oh non, 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 non. En bas, en bas. Je suis nerveux, je clique tout crush. Repeating arrow, quand j'utilise mon vault, mon E, ça va faire en sorte que mon Hungering Arrow va être recharger immédiatement, donc je vais pouvoir m'en servir deux fois en ligne. Excellent pour justement rattraper des héros ennemis qui cherchent à s'enfuir. Un bon burst de dégâts aussi à tout moment. On va laisser mon minion approcher sans prendre à la tour ici. On a une avance considérable en termes d'expérience sur l'autre équipe. Je vais juste rappeler ça. Ouais, ok, ça attaquait le mur, c'était pas super. Je leur dis, je m'en viens. Sauf que je vais comme prendre un chemin un petit peu plus safe. Parce que je veux pas me retrouver au plein milieu d'un tas d'ennemis. Mais là, avec Kel'Thuzad, il va se faire rincer. Oh non! Hey, merci Chromie, mais team, where were you? Hey. Là, on t'en fait un bon job. Fuck. C'est Nova qui arrive pas de me pogner, hein. Je suis trop en bas, c'est moi qui meurs le plus souvent dans l'équipe. J'ai pas de kills, j'ai 7 à 7. Je dirais que j'étais en train de jouer une bonne game, mais je suis clairement pas le plus grand contributeur à notre équipe en ce moment. Pas ma meilleure game, pas aussi bonne que celle que j'ai perdue. Ou plutôt que j'ai juste pas enregistré, là. Ça serait plus correct de dire ça. Je vais revenir vers Kel'Thuzad, quoique le reste de l'équipe semble converger déjà dessus. Je pense que je vais juste aller de mon côté. Je pense qu'on va y aller avec Strafe. Ouais. Bah, ça me tente, c'est juste mon préféré. On va aider nos minions à avancer ici. Ouais. Là, l'équipe est pas splittée comme du monde. C'est pas. Ah. Result de s'occuper de ça de même. On recule.
Parce qu'on veut pas se faire pogner par la tour au moins. C'est moi le plus proche. L'autre équipe, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce que... Ah! Ouais, là... Je peux bien dire que je suis en position, là, mais... Au moins, Chromie va pouvoir empêcher le P.K. Jim s'en vient aider avec son Battle Cruiser. Est-ce que... Jaina... Dans... Bon, on vient de perdre Rainer. Chromie, je sais pas si elle a fait son, son combo comme du monde, j'aurais dû déplacer l'écran pour voir mieux. Je m'en viens team. Ils sont en train de rattraper le retard qu'il y avait. Comment est-ce que j'ai manqué ça? Oh, ça donne direct au bon moment. Ah, c'est fou ce qu'on a compliqué, on prend le temps de travailler ensemble. Hein? Bye, va-t'en. Je te laisse pas voir ce qui se passe ici. Ça, c'est clairement une fake. On va aller chercher Kel'Thuzad. Hey. Tu veux prendre le boss? Et je suis comme pas convaincu que c'était une bonne idée, ça. S'il pense qu'il est capable de... Yeah, non. Va-t'en, de là. C'est clairement pas une bonne idée, je sais même pas pourquoi se considère avec ça. Siphoning Arrow va faire en sorte que quand on attaque un héros avec notre Q, on va gagner la vie proportionnellement aux dégâts. Moi je vais en profiter juste pour descendre ça ici, le plus vite que je peux. Le plus vite que je peux, c'est quand même pas tant que ça. Ah! Hein! Il est dead. Nova, je sais qu'il y a du monde qui aime bien son ultimate de triple tap, là, mais faut dire que ça vaut pas si cher que ça. Là. Pensez-vous? Bon, je vais mourir pareil, leur marque, là, mais. Boom! Je me suis dit, au moins, si je veux arrêter qu'ils poursuivent, que laisse Valuera tranquille, mais évidemment, ça servit absolument à rien. Attention. Un voisin en haut qui décide de se faire entendre, je suis sûr que vous l'avez au micro, j'espère que non, par contre. Quand même surpris qu'on arrive. Ah, j'ai pas fait tant de dégâts. C'est moi qui ai fait le moins de dégâts de l'équipe. Pendant qu'on est une équipe d'assassins au complet. Ouais, hein, c'est... Assassin contre assassin. J'ai fait beaucoup plus de siege damage. Merci de déplacer tes meubles, Lance. Ça fait... plaisir. Je suis désolé pour tout ça. Seething Hatred, il faut faire en sorte qu'on gagne 2 stacks à la fois plutôt que 1. Puis ça va durer 2 secondes de plus, donc on va les perdre moins vite. Falstad veut toujours faire des boss, mais le reste de l'équipe n'a pas l'air trop de vouloir suivre. En fait, je pense que pour tout de suite, il vaut mieux aller défendre contre ça ici. Calvaire. Comment j'ai le temps là? J'ai le temps. Oh, ok. Je t'assure, j'allais crever de ça. En tant que Nova soit pas barré, Nova est morte. C'est correct. Ah, ok, j'étais sûr là, que ma seule chance de m'en sortir c'était d'utiliser mon Hungering Arrow pour me redonner un peu de vie, mais ça c'est pas le cas. Je pense que tout le monde est en train de se pitcher dans des fights qui ont pas d'affaires à rentrer dedans. Remarque que je m'inclus là-dedans. Là.
Moi, bon, avec mes 5 morts, c'est pas exactement du feed, là, mais... Pas sûr si... Ah, ok, j'ai du backup maintenant. On peut-tu... Ouais, je pense qu'on va s'essayer. Comment? Ils ont pas l'air prêts, ils sont pas arrivés encore, ils sont trop loin. On l'a. Je signalais la retraite. Je pense qu'on va devoir dire à tout le monde de se tenir ensemble. C'est qu'est-ce que tu cherches à capturer? Hey, t'as pogné la clone. Peut-être un petit peu trop pressé, notre crony. On arrive-tu à descendre? Non. Ah, c'est dans celle-là. Rainer qui veut encourager notre équipe. Ou je sais pas s'il dit well played à l'autre qui l'a tué. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de mon équipe, pour être bien franc. Et encore une fois... Hey, come on là. On est en train de perdre l'avance qu'on avait accumulée. Faut faire attention à ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on... avancera pas plus qu'il faut, là. Juste... Si Valera veut être greedy... Yeah, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. T'es sarcastique, Rainer? Je comprends pas, là. C'est de... Ah, hein. Fin. Pensez-vous. Non, clairement, ça fera pas un assez gros job sur. Sur Butcher qui a quand même pas mal de vie. Je pense que là, on va falloir commencer à dire à tout le monde de, tu sais, tenez-vous ensemble, va pas dans les fêtes pour rien. Personne atroce. Je sais même pas ce que ça dirait par là. Excuse. Aïe aïe. Oh, ma meilleure game, même pas proche. Equidas, Mucha. Tu fais trop attention à toi. Je pensais ça, ça fait trop longtemps que je... Depuis mes cours d'espagnol. Pas dire à mon équipe que je m'en viens ici. Aussitôt que je revive. Comment? Oui, il faut prendre l'avance tout de suite. Il faut juste les empêcher. De ramasser. Oh, well. Well done, Crony. Oui. Ça, c'est une faille. On voit parce qu'elle fait pas de dégâts. C'est pas plus compliqué que ça. Là, eux, ils l'ont ramassé déjà. Ok. Jim, stick with us, please. Oh, I need to be somewhere else. The path needs this. Oh, j'aime pas ça. Je vais rejoindre la gang au milieu. Tout le monde se disperse. Ow, 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 ow. Qu'est-ce qui est arrivé là? À chaque fois que j'arrive à quelque chose, je me fais burster. Là, là. Parce que là, faut leur dire. Parce que là, ils vont. Regarde, on peut pas leur en empêcher ça, ça. Rainer, ça servait absolument à rien tout ça. Oh no. Romy qui s'en va instantanément. On rentre en ciel ensemble, puis là c'est
pas ce que vous êtes en train de faire du tout, là. Romy. Point la team, man. Je sais pas pourquoi ce qui est entouré de trucs rouges, là. C'est bien après la fin. Que je vois ça. Oh boy. Est-ce que je peux faire de quoi à propos de ça? Hey, t'es mort. Non? Shit. Je suis tombé ralenti. À cause de Jaina, sans doute. Bon, tant pis. Ça, c'est une fake. On en est niveau 28. Je pense que je vais juste m'en donner de la vie avec ça parce que, comme cela est mis à la tête de la base, je m'en sers pas assez pour justifier de booster ça davantage. C'est qu'on a. Un peu prématuré là, avec le. Hey, parfait. Là, ça va être un peu gaspillé le boss, là, je dirais, mais. Ah, c'est tellement pour moi qu'il devrait tanker ça. Come on, come on, come on, come on. Ah, elle aurait pu s'en sauver. Ça aurait réagi une seconde plus vite. On va essayer d'avancer avec la boss. Je pense que c'est juste Falstad qui recule pour se guérir, ce qui est quand même correct. Je traite pas trop comment ce que Rainer puis Valyra jouent en ce moment là, mais. Regarde, faut pas chercher à blâmer l'équipe pour tous les problèmes là. Oh, sti. Thank you for the save. Ça, c'est. Ça aurait pu se passer bien pire. Et voilà, je suis mort. Yep. Au moins, c'est un trade. Je commence à être pas trop fier de moi à 8. Quoique le butcher de l'autre équipe à 12. Comme cela, j'imagine que c'est le boss qui est en train de faire le gros de la job. Yep. Et ça a l'air qu'on a réussi à pogner les Siege Mercenaries aussi, fait qu'on est en train de faire des dégâts là. Irvizad a été descendu. Et je me plains peut-être de Valyra pour rien là, elle a quand même 20 fucking kills. Ouais. Mm-hmm. Il y a l'équipe qui s'assemble. On a décidé de prendre son temps. Lui qui descend le mur, je sais pas trop pourquoi. Il se laisse vulnérable en faisant ça. On y aurait pu bloquer ce tir-là. Là, surtout si elle a pris le talent niveau 20 que ça reset instantanément. Là. Mm-mm. Ah, on peut-tu se tenir ensemble, s'il vous plaît? God damn! On est incapable de juste rester dans un groupe uni là, pour le moment. Bon. Fake. Fake. Clairement un fake. Je me suis fait looter. Encore une fois, je suis déjà faible. J'ai été ralenti par. Jaina. Sais-tu quoi, je veux juste te descendre. God, lisse. La tabarnak. Au moins, je gagne. Je veux dire, on est clairement en train de gagner, là. Même si moi, je suis en train de failer. Bon, j'aurais pensé que le siphon, ça m'aurait donné assez. Ça, Death Siphon. 25%.
La flèche, le Hungry Arrow aurait été mieux. Là, laisse-moi devenir, il va pogner le boss encore. Oh boy. L'autre, au moins, il arrive à s'en sortir, pas comme moi. Romy joue une pas pire game aussi. Vraiment, là, c'est moi le boulet de l'équipe en ce moment. Je pense que c'est vraiment ça ce qu'il y a à dire. Pas comme si je contribuais pas. Mais clairement, c'est pas moi qui se débrouille le mieux là. Come on. Le Butcher a fini sa quête. On dirait que non, il a toujours pas fini sa quête. Hey, on se venge là. On va descendre. Lui, tiens. Là, je commence à me sentir un peu mieux à propos de moi-même. On leur nie encore un tribute. Puis on peut finir. Je pense qu'on peut finir. Push. Bah, c'était pas nécessaire le core, j'ai même pas checké. Les Bedians ont gagné la game pour nous autres. Et écoute, ça a pas été une super game pour moi, mais hey, c'était bleu là, c'était victory là, ça reste une victoire. Fait que là, je suis rendu à 2 victoires, 2 défaites. Valyra, yes, t'as mon vote. Ouais, pas surpris que je sois le seul qui ait pas paru de l'équipe. Donc, c'était ça pour le match d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et là-dessus, on se revoit la prochaine fois.